Le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sorts. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. C'est cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris 3 siècles. À partir du 15, 16, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie et sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leur région, dans leur village pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Acclamer Jésus pour son miracle. Alléluia. Amen. Amen. Il est le maréchal de la brigade anti-sorcier. J'ai l'honneur ce soir de te présenter le prophète Joël Crasso. Shalom, que je te demande d'acclamer très fort. Acclame Jésus pour ton miracle. Que nous exerçons ce ministère. Parce que quand Dieu te confie une affaire, c'est pas une corvée. Et c'est qui te donnera aussi les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, maîtriser les contours et tout ça. Donc, ça va beaucoup de passion par la grâce de Dieu. J'ai eu une mission à l'est de la Côte d'Ivoire, Bangoro précisément. A commencer d'abord par Daloa, nous sommes passés par Daloa, Yamoussoukro. Mais au fur et à mesure qu'on traversait la ville, Dieu me montrait beaucoup de choses. Je faisais une escale et je priais pour ceux qui sortaient de la ville.
les ressortissants, par exemple, de Yamoussoukro. Je posais un acte prophétique, je parlais sur la ville pour dire, il faut que tous ceux qui sortent de Yamoussoukro deviennent demain des cadres. Ceux qui sont à l'école soient bénis. Amen. Et ainsi que Daloa, je crois qu'on a dépassé à Bangourou. Voilà, beaucoup de villes en tout cas pour atteindre à Bangourou. Je crois qu'on a fait deux nuits à Bangourou, après ça sur Abidjan. C'est pas facile le travail. Vous savez, notre ministère consiste d'aller à la source. Nous allons à la source et nous détruisons ce qu'on appelle le système de la sorcellerie. Amen. Et c'est pour ça que vous avez besoin de prier beaucoup pour nous. J'ai toujours dit, quand vous venez ici, soyez plus patient. Ça, franchement, soyez patient. Soyez plus patient. Et c'est pas comme les trucs charnels, mais c'est des choses spirituelles. Voilà, les choses spirituelles. Et donc, soyez beaucoup patient et priez beaucoup pour nous. Surtout, nous avons beaucoup besoin de prière. Parce que vous savez que le diable n'aime pas qu'on le dérange. Vous savez très bien que le diable n'est pas qu'on le dérange. C'est pour ça que quand vous avez un problème, le prophète Krasou, peut-être, quand vous pensez que ça n'a pas été vite accompli, ce n'est pas parce que c'est nous, mais c'est parce que vous avez aussi besoin de prière. Vous avez besoin aussi de me soutenir en prière. Ce n'est pas comme une sauce graine où on s'en va au marché, on sait qu'on doit acheter la les graines là, l'aubergine ici et tout ça. On voit c'est un peu très facile. C'est la spiritualité. Et ce domaine-là, c'est la destruction des œufs, la sorcellerie. Le diable ne se laissera pas faire. Donc, ça va être beaucoup de combats, bien sûr, qu'on arrive, n'est-ce pas, à posséder les programmes, qu'on arrive à posséder les territoires. Et c'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. Amen. Pendant que vous venez ici, pendant que vous avez des soucis de sorcellerie, les sorciers aussi sont votre trousse. Et leur cible, ce sera celui qui va vous délivrer. Ce n'est plus vous. C'est celui qui doit vous délivrer là. Celui qui demeure la cible des sorciers. C'est pour ça que vous devez beaucoup prier. Amen. Nous autres, nous avons compris un peu très tôt le phénomène de la sorcellerie. Amen. Nous avons très tôt compris ça. Et le Seigneur nous a fait la grâce, n'est-ce pas, d'éclairer l'opinion publique, de vous éclairer sur ce fléau. C'est vraiment un fléau. Et malheureusement, ça existe. C'est une triste réalité, malheureusement. Et beaucoup semblent ceux qui pensent être dans l'ignorance. J'ai dit, c'est un semblant d'être dans l'ignorance. Parce que vous ne pouvez pas me donner quelque chose. Tout ce qui est un nom existe. Bon. Et puis ceux qui disent, ah, on est né en Europe, non. Le phénomène de la sorcellerie, là, on ne maîtrise pas trop. Je me manque d'eux. Je vous ai déplaisanté. Parce qu'il ne faut pas te limiter à l'Europe. L'Europe a une histoire. L'Europe a eu une histoire. Et dans l'histoire des Européens, il y a eu la chasse aux sorcières. Donc, ne dites pas, non. Les gens veulent nous distraire. C'est la distraction. Ils veulent nous faire croire que ça n'existe pas. Voilà le phénomène. Parce que les Occidentaux aujourd'hui combattent même le système de Dieu. Ils sont contre nature. Ils imposent le mariage, l'homosexualité. Tout ce qui est bizarre là, c'est ce qu'ils proposent à l'humanité. Et puis ils veulent nous amener à consommer ça. Ça dit accepter. Voilà. L'homme et l'homme doivent se marier. Ils ont voté loi et c'est quand ça marche chez eux. Tu les regardes, on dit regarde, qu'on a une agression par regard. Deux hommes sont en train de t'embrasser. Tu ne dois pas les regarder. Si tu les regardes, on te met en prison. Ah, oui, dis-tu. Voilà. On appelle ça agression par égard. Un homme se métamorphose, on l'appelle travestie. Tu le regardes comme une femme. Et ça, ils sont prêts qu'on accepte ça. Ils sont d'accord. Mais quand on commence à aborder le domaine de la sorcellerie, celui qui parle de son pense qu'il est fou. Non, mais écoutez, c'est vous qui êtes peut-être naïf. C'est vous qui pensez. Mais ça existe, le domaine de la spiritualité. Voilà, le domaine de la spiritualité. Celui qui ignore le côté spirituel, c'est que lui-même ignore sa propre existence. Parce que l'homme n'est pas que physique, l'homme aussi est spirituel. Voilà. C'est-à-dire qu'ignorer la spiritualité, c'est ignorer des grandes choses. Amen. Que tu veux ou pas, ça existe. Que tu veux ou pas, Dieu existe. Que tu veux ou pas, Satan existe. Il s'en fout de ta croyance. Que tu crois à la société ou pas, tu subis. Et leur stratégie, c'est de demeurer dans l'ignorance la plus totale. Il ne faut même pas croire. Amen. Oh, le Yaza n'existe pas. Le Yaza n'existe pas. Amen. Vous savez, ce soir, il faut faire des recherches. Il faut essayer de faire des recherches. Et nous avons abouti à quelque chose de très intéressant. Donc, bientôt, vous aurez un livre qui va vous instruire sur le mécanisme de la sorcellerie. C'est tout ça. Je suis en train de prendre un peu de retard parce que je vais amener les Blancs, les Occidentaux, qui pensent. Parce que, avec moi, le débat est clos.
Un blanc ne peut pas venir parler de ça. Je l'écoutais avec toute passion, avec la passion totale. Je l'écoutais avec beaucoup d'attention. Mais quand je prends le débat, je le gagne. Ouais, parce que je suis revenu sur son histoire. Je lui parlais de Rouen. Voilà, au bon marché, où ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Je vais parler de beaucoup de secteurs où il y avait cette histoire de chasse aux sorcières. Et je vais prendre l'exemple des gens, des historiens. J'ai tout ça. Je suis en train de faire les recherches. Il les brûlait pourquoi? Donc pendant trois siècles, les blancs ont brûlé les sorciers, c'était pour rien. Il faut qu'on les traduise dans ces pays, parce que même il faut qu'on poursuive leurs parents. Parce que c'est un génocide. On prenait le sorcier, on le brûlait devant tout le monde, c'était pas en cachette. C'est ce qu'on appelle, pas bûcher, le bûcher. On t'attrape et puis on fait du feu. Ça commence par tes queues jusqu'à la tête. Avec tous les membres de ta confrérie. Et ça a pris 3 siècles. Ça a eu 300 ans qu'ils ont radiqué la sorcellerie. Donc, c'était pour rien comme ça. Ils n'ont rien fait pour les brûler. Quand on parle de la sorcellerie, ah non. Quand tu as commencé à parler pour dire le monsieur là, il mange, les gens rêvent, ah, mais vous êtes malade. Il faut que le monsieur qu'on amène fait une thérapie. Il faut qu'on nettoie sa tête. Non, oui. Il faut qu'on nettoie sa tête et la maison d'une thérapie et tout ça. Parce qu'eux sont arrivés à un stade où ils ne croyaient plus en Dieu. Pour eux, Dieu, non, Dieu n'existe pas. Donc le demain, le côté volet spirituel, ça ne les intéresse pas. Heureusement que ce n'est pas tous les blancs d'ailleurs. Heureusement que ce n'est pas tous les blancs. Mais leur histoire existe parce qu'ils ont combattu à un moment donné la sorcellerie. Au Moyen-Âge, ils s'apportaient. Ils ont connu ce qu'on appelle le siècle des Lumières et de la révolution industrielle, le 18e siècle. Et quand vous lisez les thèmes bibliques, vous comprenez beaucoup de choses. Mais mon seul problème aujourd'hui que je pose, où est l'apport des hommes de Dieu face à ce combat? C'est le grand, le point d'interrogation. En principe, c'est nous qui devons, on peut comprendre si nos gouvernants ne se mettent pas dans la chose. Parce que, qu'ils veulent ou pas, ils sont obligés de s'impliquer dedans. Parce que la sorcellerie est anti-développement. Voilà, nos gouvernants, quand ils prennent un poste, que ce soit au sommet d'une nation, leur combat, c'est d'amener une nation au développement et d'éradiquer la pauvreté, n'est-ce pas? Ok. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont anti-développement. Que vous voulez ou pas, vous avez des grands projets de construction, de tels projets, de ponts et tout ça. Et ils sont là, ils vous attendent sur le terrain. Quand vous démarrez, vous allument. Souvent, vous oubliez même la région. Parce que la région a été mystiquement cachée. Donc, il y a tout ça. Il ne faut jamais oublier ce volet. Nous avons combattu ici plusieurs fois par la grâce de Dieu pour que Divo ait des butures. Aujourd'hui, la Divo est butumée par la grâce de Dieu, même si c'est un secteur de Divo n'est pas butumé, mais il y a eu un combat farouche. D'aujourd'hui, de Divo jusqu'à, qu'on appelle le prophétie là, Didoku. J'avais un truc bizarre à Didoku, j'avais prié et tout ça. Or, dans cette région, sortait le président du conseil. Paul André, il était président, il était de Gogobro. Mais jamais la région n'a pas été arrangée. Ça veut pas dire qu'il n'avait pas l'envie d'arranger la région. Hein. Mais il avait des esprits qu'il ne pouvait pas lui-même maîtriser. C'est comme si on est arrivé dans la région par la grâce de Dieu que les esprits, parce qu'on les appelle les esprits méchants. C'est ce que vous devez comprendre. On les appelle les esprits méchants. Donc, la question qui est posée aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes de Dieu font face au phénomène de la sorcellerie? C'est la question qui est posée. Je suis choqué quand j'entends d'autres pasteurs ou d'autres hommes de Dieu dire « N'allez pas au village parce que les sorciers vont vous manger. » C'est choquant déjà. Vous comprenez? Est-ce qu'on a bien saisi? Quand un homme de Dieu dit « Il ne faut pas aller, ils vont te manger », ça veut dire quoi? Vous n'avez pas compris? Ça veut dire que les sorciers sont plus forts que Dieu. L'on ne bouge pas, ils vont te manger. Ce n'est pas la peine de prier. Or, tu peux être sur le territoire, au village, tu peux prier, n'est-ce pas? Mais elle te dit « N'est même pas parti. » Or, c'est mal connaître la sorcellerie. Le sorcier s'en fout si tu es au village. À Paris, il va te manger. Voici une dame ici, la vieille, elle a bougé la vie de ses enfants, ses petits-enfants depuis Belgique. Vous comprenez? Donc, je pense que le message que doit donner la personne qui peut nous amener à être au-dessus de la sorcellerie, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire de vous évangéliser et vous amener à Christ d'abord. Ça, c'est la première des choses d'avoir à faire. Vous savez, quand vous venez ici, là, ce n'est pas Crasso qui a le pouvoir, c'est un instrument de Dieu. Ce ministère-là t'amène à connaître Dieu, c'est tout. Maintenant, si toi tu viens jouer cette histoire de Dieu,
Et puis tu veux que c'est le prophète Crasso qui doit toujours prier pour toi, toujours prier pour toi. Frère, et puis tu ne changes pas de vie. C'est toi qui cours après les marabouts, tu es ici, tes deux pieds dedans, deux pieds, un pied dedans, un pied dehors. Mais pourquoi les gars disent c'est dehors? Vous comprenez? Quand tu voulais aller dehors, tu étais dedans. Puis ton pied est dehors. Donc tu vas dehors. On n'est pas plus de dedans, vous comprenez? Donc c'est peut-être pour dire, si toi tu penses que tu n'as pas d'effort à fournir, et que le prophète Crasso doit seulement prier pour toi. Et quand ça ne marche pas, ah, il faut te plaindre parce que ah, le prophète, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que toi tu fais toi-même pour que ça ne puisse pas marcher? C'est le point d'interrogation. Il faut changer de vie. Parce que Dieu bénit ceux qui ont sa crainte. Et la Bible est claire, Dieu respecte sa parole. Il dit, l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui me craignent et les arrache du danger. Les arrache du danger, l'ange de l'Éternel campe. On appelle ceux qui viennent voir le prophète Crasso. On dit ceux qui craignent l'Éternel et les arrache. Complétez ou bien? J'ai pas chier à donner ça. Ouais. Nos 4000 dans un village. Une fraction de ces moments sortis pour parler. Avant de dire, ah, le prophète, mais il fait parler les gens. Mais il faut qu'il parle. Tu dois savoir d'où vient ton problème. Tu es là dans le flou, on ne sait pas d'où vient le problème. Il faut que le sorcier parle pour qu'on sache d'où vient le problème. Donc, on les fait parler. Celui qui s'énerve, bon, tant pis. Ils sont dans le village qui vous disent où ils ont mis le village. Qui vous disent ce qu'ils ont fait du village. Parce qu'en réalité, ceux qui gèrent le village sont les anciens. Et vous vendez leurs caméras, tout ça. Et soyez à Paris, eux, ils s'en foutent de vous. Hein. Ils ont les guettes privées, ils ont envie de vous dire bonsoir, ils montent dans les guettes. Ils vont manger sur votre poitrine bien. Une bonne sauce Sioko, ou bien une bonne sauce Tikiti. Ou bien si c'est un dida, ils mangent, qu'on appelle Tchétra. Bonne sauce Tchétra, Foutou, Banane. Et puis ils reviennent. Comme les petites filles, elles ont vendu leurs pieds en sorcellerie. Ils ont bien mangé. Ça veut dire lutte par la grâce de Dieu que le pied a commencé à guérir. Comment tu peux vendre tes pieds? On dit pieds de porc. Au moins, ça va être Kachika Bodama. Amen. Et puis ton pied en train de pourrir. Et parce que tu veux avoir un pouvoir mystique. Souvent, la sorcellerie, c'est vraiment bête. Amen. Voilà, c'est pour dire que l'apport des hommes de Dieu, c'est de vous sensibiliser. C'est pour cela que. Nous allons partout d'ailleurs, nous voyageons pour amener les gens à comprendre qu'il faut aimer l'Afrique, il faut revenir. Si vous ne voulez pas venir à l'Afrique, sous prétexte qu'il y a la sorcellerie ici, et ils ont compris hein, que vous ne voulez plus venir. Hein. Bon, ils sont en train de s'organiser, ils ont des systèmes maintenant de radar, comment vous localisez les GPS, ils vous localisent, et puis ils vont vous allumer là-bas, ils vous mangent même dans vos propres lits. Ils vous donnent des cancers bizarres, il y a des gens qui ont des maladies bizarres, ils ne savent pas d'où ça vient. Matin, on dit non, il a cancer. Tu sais même pas ce qui dit. Tu as des situations bizarres. Ah, il y a une explication sur le plan spirituel. Amen. Ça veut dire en réalité, la seule chose que nous devons faire aujourd'hui pour faire reculer le royaume de la sorcellerie, c'est d'avoir Christ dans notre vie. Ouais, c'est important. Ah, je souffre. Je disais ça à quelqu'un à l'étranger là. Ah, il dit à la personne, je souffre, je suis malade, je souffre. Pour m'aider. Il dit, Dieu ne va jamais t'aider parce que tu souffres. Il est choqué. Il dit en bas, il dit oui. Le jour tu comprendras qu'il faut servir Dieu, Dieu te fera sortir de cette situation. Il va te faire sortir, puis tu vas aller chercher femme des gens encore. Tu laisses ta femme, tu vas embrasser femme des gens, ou tu es dans les faux. Dieu te sauve pour le servir. Si on est d'accord sur le principe, Dieu vous sauve. Les deux qui viennent sont toujours dans le même problème, parce qu'il ne peut pas changer. Amen. Donc Dieu, l'intervention de Dieu dans votre vie, c'est de vous amener à le servir. Point. Vous voulez, en sens unique, Dieu n'a qu'à vous délivrer. Vous êtes là. Vous ne pouvez pas le servir. Non, c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Et puis, vous ne voulez pas faire d'efforts. Il faut que les gens prient pour vous. Et puis, vous êtes en train de boire Jack Daniel dans les bars. Vous êtes derrière des clôtures, en train de chercher les petites filles. Et puis, les pasteurs n'ont qu'à prier pour vous. Hein? Ok. Vous allez vous retrouver dans une mamite, pleine de gombos sur vous, avec aubergine, on peut mettre une rouge, ça devient copain. Le bon placalier pour vous manger, ça c'est rapide. Une journée suffit pour nourrir tout le village des sorciers. Amen. Ah ben oui. La seule chose qui inquiète Jésus, le sorcier, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ en vous. L'apôtre Paul est clair là, je dis Christ en moi, l'espion de la gloire, il est en moi. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, il vient en vous. Amen.
Donc quand le sorcier vous scanne, il ne voit plus, il voit Jésus. Amen. Or, si vous êtes vie sans Jésus, mais vous êtes bien placé pour être dans une manite. Or, il y a des sorciers libérés seulement. Ils n'ont pas le temps d'aller faire marcher bourreau. Ça va prendre du temps. Et vous brisez en même temps. D'autres, mais ils vous mangent frère même. Ah oui? Amen. Donc la seule chose que vous devez faire, c'est d'accepter Jésus-Christ. Amen. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, c'est de vous aider, vous éclairer. C'est ce que nous sommes en train de faire, vous éclairer. Vous dites que ça existe. Si tu crois, tant pis. Tant mieux plutôt. Tu ne crois pas, tant pis. Tu crois, tant mieux. Tu ne crois pas, tant pis. Or, la sorcellerie aime bien ça. La définition bénit lanceur de sorts. Or, quand vous poursuivez les recherches, la Bible nous dit, c'est vrai que le verset est intéressant, quand vous lisez Exode 22, 17, tous les chrétiens bien ça d'ailleurs, on dit vous ne les laisserez pas vivre, et la magicienne, n'est-ce pas? Ah, c'est la version du second. La version française courante nous dit sorcière. Bon. Vous ne laissez pas vivre. Or, dans la version hébraïque, parce que la Bible est écrite en araméen, en hébreu et en grec, dans les trois langues. La version hébraïque nous dit, vous ne laisserez pas prospérer la sorcière. Vous comprenez? C'est différent de notre Dieu, non? N'est-ce pas vivre? Oh, non, la Bible, oh, la version hébraïque nous dit prospérer. Ça dit quoi? Il ne faut pas qu'il prospère, qu'il gagne du terrain dans ta vie. C'est ça. Or, pour ne pas qu'il gagne du terrain, ce que nous devons faire, c'est de vous éclairer. Or, nous, les hommes disent, ah, on laisse pas vivre la sorcière, on les tue. Bon, c'est pas mauvais. C'est l'empêcher aussi de prospérer. Mais la Bible dit, vous ne laisserez pas prospérer la sorcière. Amen. Alléluia. Or, la définition de la sorcellerie aussi, dans Matthieu hébraïque, nous dit, celui qui courbe les gens, c'est-à-dire qui rend chemin bizarre. Or, l'influence de la sorcellerie, quand la sorcière commence à t'influencer, victime commence par le non-aboutissement, c'est-à-dire non-accomplissement, rien n'est mal dans ta vie, tu es une belle femme, tu n'arrives pas à avoir un mari, patati patata, beaucoup de choses à la fois. Tu penses que l'Europe, c'est l'endroit où on doit réussir dans la vie, mais toi, tu n'avances pas. Tu as raison. Amen. Donc, il y a tout ça. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, c'est de vous éclairer pour dire, il faut que vous acceptez Jésus. Si vous acceptez Jésus, aucun sorcier ne peut vous dire de Dieu. Moi, ça me fait rire quand il dit, non, mon pasteur dit, de ne pas venir en Afrique, si je viens au métier. Mais c'est de la pure comédie que vous rencontrez. Donc, il dit que lui, il dit d'avoir peur de sorcier. Amen. Le jour que David a entendu Goliath parler, l'ennemi d'Israël, le petit Goliath l'a mis à terre. David l'a mis à terre. Amen. N'a pas eu peur. Or, la Bible déclare que c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Amen. C'est lui la victoire. Certes, il a vu peut-être une révélation où on doit te manger et te tuer. Mais qu'est-ce qu'il lui fait? Quel est son apport? Il fait quoi? Pour déjouer ça. C'est de rester. Il n'a rien dit. Que ce soit le territoire européen, que ce soit Abidjan, le sorcier s'en fout. Tu veux te manger là où tu es, il va t'attraper. Amen. La seule chose qu'il doit faire, c'est de prier pour vous, de vous encourager dans la foi, avoir plus de foi en Christ, la prière. Et il y a une soeur qui me disait, parce que je cause beaucoup avec les enfants spirituels, elle dit, j'ai arrêté de prier. Que depuis là, je suis attaqué. J'ai dit, ah, j'ai dit, j'arrête le son. C'est comme un policier sans pistolet. Qu'est-ce qu'il devient? Hein? Le bandit va le frapper. Le bandit derrière, il voit le pistolet, il se calme un peu. Ah, si il est fait, lui, il connaît tirer les armes. Si le monsieur amusé, il va aller son pistolet. Mais c'est comme un chrétien qui ne prie pas, il devient comme un policier sans pistolet. Qui n'est pas armé. Tu as tenu, tu as frayé qui? Je t'ai dit, dans le fait que le bandit. Mais s'en fout de tenue. Dans la tenue, là, ce qu'il y a là, c'est est-ce qu'il y a âme sur lui? Il s'en fout de tenue. Un policier qui n'est pas en tenue, il est le même chose comme on dit ce corps habillé, l'habillé. Or, l'âme du chrétien, c'est la prière. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Si vous ne priez pas, tant pis pour vous, le sorcier gagne du terrain. Or, la Bible dit qu'il ne laisse pas prospérer la sorcière. Non, je dis, le jour où tu pries plus, c'est fini. Son sourire est clair. Il va te manger, te braiser et te manger. Que Dieu vous fortifie. Amen. Il faudrait qu'on vous dise la vérité. Vous avez votre part. C'est de connaître, chercher Dieu, le rencontrer véritablement et d'arranger vos vies.
Voilà. Parce que votre salut dépend aussi de vous. Dieu lui donne le ciel, hein, mais la protection dépend de vous. Si vous brisez ce mur de protection, Dieu s'en fout, le reste. Le jour où Israël abandonnait Dieu, Dieu abandonnait tout le droit à Israël. C'est vrai qu'il y a un effet. Vous venez prier ici. L'onction, c'est une onction qui est là. Dans un premier temps, ça va briser le système mis en place par la sorcellerie. Mais il y a une suite. La vie chrétienne, c'est une vie. Hein. Ça ne s'arrête pas ici. Et après, si vous ne cherchez pas à marcher avec Jésus-Christ, le sorcier continue. Il va continuer de dire des trucs. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Donc, à bon entendeur, la balle est dans notre camp. Il faut que le prophète prie pour moi. Mais toi, tu fais quoi? Tu ne pries pas. Tu ne vas pas prier. Tu ne vas rien faire. Nous, on prie seulement. Là, tu vas boire Belin. Les gens sont chargés dans Belin. Dans la coup de drum seulement. Comme c'est moins cher. 500 francs, ça peut le soulier à longtemps. Amen. Voilà, j'allais donc continuer de prier. J'ai été vraiment choqué avec une image que j'ai vue de Cameroun. Le peuple camerounais, c'est un peuple qui me soutient beaucoup, qui soutient un peu le combat, parce qu'ils vivent ça au quotidien. Le Cameroun, hein, ils sont plus de 200 ethnies. Hein. J'ai su ça après. 200 ethnies. Il y a eu un événement ici tout récemment, ça passe sur France 24, mais depuis hier, avant-hier. En Douala, Yaoundé, il y a un train, et le pont s'est coupé en deux. Il y a eu plus de 50 morts, c'est ce qu'ils ont dit. C'est plus de 50 morts, mais il y a eu plus de 300 quelques blessés, mais les gens continuent de mourir. Voilà, c'est un pont qui est... Et puis les gens sont... Mais nous autres, nous comprenons la chose. Parce que nous sommes dans les mois les plus dangereux de l'année. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut continuer de prier. Parce que ces mois-là sont dangereux. Il y aura beaucoup d'accidents, il y aura pas mal de choses. C'est pour ça que toi, chrétien, il faut doubler d'efforts dans la prière. Il faut prier. Amen. Ma compassion au peuple camerounais. Je demande à l'église du Cameroun de continuer de prier parce que c'est le Cameroun sont très intellectuels. Le Cameroun est très riche aussi, un scandale géologique. Malheureusement, ils sont beaucoup influencés par l'esprit de la sorcellerie. C'est pour ça que les gens ne prospèrent pas. Là où est la sorcellerie, on ne prospère pas. Voilà, donc ma compassion au peuple camerounais.